Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ses filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un nom. Le débat de ce matin sur Free Matin, Habib Arendessi, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être à nos côtés ce matin. Vous êtes face à Constant Yaouidéou. Bonjour à vous. Bonjour Kader. Merci d'être présent chaque fois qu'on vous fait appel. Je vous en prie. Alors Habib Arendessi, le gouvernement béninois a décidé de conditionner l'accès à tous les services publics à la présentation d'une preuve de vaccination ou d'un résultat PCR datant de moins de 48 heures en tant qu'analyste politique, en tant qu'également citoyen, quel regard portez-vous sur cette décision prise par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19 au Bénin? Oui, c'est une décision que nous ne pouvons pas analyser dans un seul sens. D'abord, il faut dire que le gouvernement, quelle que soit la décision, reste dans sa logique de santé publique, de garant de la santé publique. Seulement que dans l'application, est-ce que notre environnement culturel et social facilite vraiment la mise en œuvre de ces décisions? L'autre chose aussi, c'est l'administration qui est aujourd'hui, l'accès à l'administration qui est aujourd'hui le sujet le plus important. Mais l'administration, c'était la facilité, était comment? C'est l'organisation, c'était comment? Maintenant, quand on prend une décision pareille, ça va donner quoi? Je crois que c'est la question qu'il faut se poser. Peut-être en évoluant, on pourrait rentrer dans certains détails, parce que nous n'avions pas encore une administration qui facilitait vraiment les choses. Nous sommes au moment des réformes, nous sommes en train d'évoluer, la dématérialisation, tout ça, mais ce n'est pas encore exactement ce que... Ce n'est pas encore l'idéal. L'idéal. Bon, maintenant, est-ce qu'en ce moment où on est en train d'expérimenter des réformes dans ce secteur, quand une mesure comme ça est appliquée, ça va donner quoi? Et quand je parlais de l'environnement, notre environnement socio-culturel, c'est aussi ce que chaque Béninois pense de la vaccination. Et je me dis, il va falloir aller continuer à parler un peu plus avec la sensibilisation et que de mettre trop de mesures. C'est vrai, nous ne sommes que 10 millions. Sur place, quand on donne le chiffre ou les chiffres de 300 000 ou de 600 000 et autres, ou même quand on donne des pourcentages, on a comme impression que les Béninois ne sont pas en train de se vacciner et vraiment. Avec la présentation sociologique, on voit qu'on n'est pas en train de... Mais quand on tient compte de tout ça, on ne peut pas dire qu'il y a quand même quelque chose, que ça ne bouge pas.
Nous ne faisons que 10 millions à peine non sur place, mais les États qui font 70 millions sont à 30 000 vaccinés, 350 000 vaccinés. Donc, quand on fait ce genre de comparaison, on a comme impression qu'on peut encore forcer, mettre un peu plus de pression chez nous pour que ça avance. Mais notre, les niveaux ne sont pas les mêmes. Là où ceux-là on comprenne beaucoup plus. Mais nous avons vu tout ce que, toutes les manifestations qui ont eu lieu ailleurs et tout ça. Mais nous, on n'a vraiment pas fait tout ça ici. Mais pourtant, les chiffres avancent quand même. Donc, je me dis, on peut encore voir. Je reviens dans un instant par rapport à ce que vous êtes en train de développer tantôt. Dites-nous, vous, Habib Arnessi, quelle appréciation vous portez à l'égard de cette décision qui a été prise par le gouvernement, toujours dans le cadre de contenir la propagation de la COVID-19 au Bénin? Alors, je pense que on veut imposer aux Béninois, et plus précisément aux travailleurs, ce qu'ils ont appelé vaccin, et qui n'est d'ailleurs pas rassurant. En quoi pour vous le vaccin n'est pas rassurant? Voilà, nous sommes témoins de plusieurs faits, de plusieurs informations. Nous avons été témoins de plusieurs débats. Aujourd'hui, quand tu parles de la vaccination à un Béninois, qu'il soit intellectuel ou pas, il est réticent. Il est réticent parce que les débats autour de la vaccination ne sont pas rassurants. Le vaccin même n'est pas rassurant. Du moment où il y en a tellement aujourd'hui. Et d'autres pays ont expérimenté d'autres et on finit par dire non, nous n'allons plus utiliser tel vaccin. Désormais, c'est bon, avec des noms. Bon, vous savez ce qui se passe autour de la vaccination. Pire, quand je dis pire, nous avons au Bénin des gens qui se sont vaccinés et qui se sont retrouvés du jour au lendemain dans une situation de malade de COVID. Alors qu'auparavant, c'est-à-dire dans notre subconscient, dans notre conscience collective, quand on dit on est vacciné en réalité, c'est qu'il y a... En réalité, on est immunisé contre la maladie. On est protégé contre la maladie. Et quand vous voyez des gens... Écoutez, je voudrais vous expliquer un peu le contexte qui crée en réalité la réticence. Et pourquoi en réalité, il ne faut pas imposer le vaccin. Il faut plutôt chercher à convaincre sur la capacité ou bien l'efficacité du vaccin à nous protéger contre la maladie. Mais est-ce que c'est pas dû au fait que quelque part il y a peut-être un déficit d'information ou il y a un amalgame qui se crée au sein de l'opinion publique parce qu'on a comme l'impression que le vaccin vient quand même à être effectif à partir du moment où on a fini le cycle qui consacre l'immunité du vaccin. Quand vous posez la question à un Béninois lambda ce qu'il pense de la vaccination, qu'est-ce qu'il vous dira? Pourquoi les gens ne se vaccinent pas? C'est ce qu'il faut chercher à comprendre. Et ce n'est pas seulement au Bénin, il y a cette réticence. Même dans les grands pays, les gens marchent au quotidien pour que le vaccin ne soit pas imposé. Du moment où je me vaccine et à côté de moi, quelqu'un se vaccine dans la même époque et que j'ai des cas de mort, j'ai des cas de AVC, tout ça là. Et que ceux qui sont en face de nous et qui nous imposent, qui nous demandent de nous vacciner, n'arrivent même pas à nous rassurer à travers le discours. Parce que ceux qui doivent nous rassurer, est-ce que ce n'est pas dû à ce que je disais tantôt, où, selon certains scientifiques, quand vous êtes atteint de la COVID-19, il y a un délai pour se faire vacciner. Et lorsque vous êtes vacciné, il y a un délai pour prendre la seconde dose, et il y a un délai qui consacre, en fait, l'immunité qui vous empêche de souffrir de la forme grave. Ben. Puisque le vaccin, si je pense bien, le constat Yaoudéou ne veut pas dire que vous n'aurez pas la COVID, mais que vous ne mourrez plus de la COVID. L'ancien secrétaire d'État américain. L'ancien secrétaire d'État américain. C'est un exemple que vous donnez. Oui, parce que ça a créé un peu de... C'est ça qu'on appelle, c'est ça qu'on est en train de parler, la polémique. Un grand monsieur, comme ça, et qui meurt, et on a publié partout alors que les gens émettent des réserves. On a dit qu'il est décédé de COVID malgré qu'il ne soit vacciné. Je crois que quand ça vient des États-Unis, de ce sommet-là, et qu'on laisse une information comme ça circuler, vous voulez que mon cousin qui est au village
dans le fin fond à Gonlin là, vous voulez qu'il soit convaincu de quoi quand on a dit que celui qui a dirigé les États-Unis a fait vaccin et qu'il est mort de COVID? Vous voyez un peu, c'est ça qu'il est en train de dire pour dire la condition, l'environnement dans lequel on passe les informations, la préparation psychologique. Je crois que c'est de ça que Andy parlait tout à l'heure et je vais le laisser continuer. Alors, avant de revenir à Biba Randessi, j'aimerais envie de vous poser une question. Lorsque l'on était petit, puisque vous avez un certain âge, il y a quand même une batterie de vaccins qui nous étaient administrés, mais dont on ne savait du tout pas. Oui. La provenance, l'efficacité ou encore moins l'efficience. Mais pourtant, on a pris ces vaccins-là sans quand même avoir beaucoup de polémiques autour. Oui, mais en ce moment-là, il n'y avait pas les réseaux sociaux qui informaient aussi. Puisque après Dieu, c'est l'agent de santé. Est-ce que vous êtes en train de dire que les réseaux sociaux contribuent à cette démobilisation au niveau de la vaccination? Fortement, parce qu'il y a des sujets sur lesquels il y a eu des polémiques sur les réseaux sociaux où nous avons eu des informations qui se sont confirmées. Mais à partir du moment où, à leur niveau, ceux qui fabriquent les vaccins eux-mêmes commencent déjà par s'entrechoquer, nous, en tant qu'observateurs, vous voulez que nous fassions quoi? On est obligé de prendre du recul. Parce que justement, vous parlez de guerre de vaccins. C'est normal qu'il y ait une guerre de vaccins puisque chacun veut avoir quand même son actif le fait d'avoir eu à trouver le meilleur procédé d'endiguer le mal. Mais c'est là où j'ai apprécié les Cubains. Ils ont refusé l'importation de vaccins. Ils sont rentrés dans leur laboratoire, ils ont sorti le vaccin et c'est là où on a dit tout le monde se vaccine. C'est-à-dire que le vaccin a été trouvé par nous-mêmes et l'État a obligé tout le monde à se vacciner parce qu'il y a vraiment la confiance qui s'est installée puisque les Cubains ne vont pas éliminer les Cubains. Donc, ils ont créé, ils ont dit, maintenant là, nous, on va se vacciner, mais pas notre vaccin. Je ne suis pas sûr que les Chinois aussi aient accepté prendre des vaccins, des vaccins américains. Alors, mais en ici, le gouvernement est soucié quand même de l'atteinte d'une couverture vaccinale satisfaisante contre la COVID-19, laquelle couverture vaccinale favorisera la reprise de toutes les activités économiques et le retour progressif à la vie normale. Est-ce que vous ne pensez pas que les citoyens, au regard de certains éléments, au regard également de ce que fait la pandémie, alors qu'on nous propose le vaccin, par exemple, est-ce que vous n'êtes pas d'accord qu'il faut quand même se faire vacciner? Lorsque l'on sait, il y a des traitements pour le paludisme, mais malgré cela, les gens meurent du paludisme, par exemple. Je suis d'accord avec vous que l'État... Est-ce que parce que les gens sont morts du paludisme qu'on ne va pas vouloir se faire traiter pour le paludisme? Je suis d'accord avec moi. Il y a des comparaisons qu'il ne faut pas justement faire. Je suis d'accord avec vous que l'État est garant de la santé publique et qu'à un moment donné, l'État doit prendre... De la politique de la santé publique. Oui, que l'État doit prendre ses responsabilités pour endiguer ou bien pour freiner le mal. Et je ne remets pas en cause l'existence de la COVID-19. Mais je dis... Moi, je ne me suis pas vacciné, par exemple, jusqu'à présent, parce que je ne suis pas rassuré. Et quand je ne suis pas rassuré, je ne peux pas aller me vacciner. Vous avez donné un exemple tout à l'heure, lorsqu'on était petit, vous voulez comparer, par exemple, la fièvre jaune à la COVID-19. Dans quel contexte? Vous ne pouvez pas faire cette comparaison. Il y a beaucoup de accidents cardiovasculaires, il y a beaucoup de maladies qui tuent, dans le silence partie de notre quotidien et qui font que, nous n'en parlons pas au quotidien. Le paludisme, par exemple, au Bénin, le taux de mortalité, on a quand même une idée, Constant Yaoundé. Mais malgré cela, il y a divers traitements pour le paludisme, tant au plan traditionnel qu'au plan médicinal français, où il y a des procédés, tel médecin vous donnera tel comprimé à prendre, tel autre vous dira non, il faut peut-être telle injection. Mais malgré cela, les mêmes procédés pratiqués sur plusieurs patients donnent des résultats différents. Mais cela ne veut pas dire que les thérapies sont mauvaises. Vous décrivez deux contextes différents. Vous pensez? Vous décrivez deux contextes différents. Alors, où est la différence? La COVID-19 a commencé en 2019, n'est-ce pas? Oui. Et puis, nous avons vu tout ce qui est discours, tout ce qui était discours autour de la COVID-19. Pire, parce qu'il n'y a pas de mieux dans cette histoire. Quand vous allez vous vacciner, il y a un protocole qu'on signe, qui montre que ceux qui veulent vous administrer le vaccin
ne sont même pas convaincus de ce qu'ils veulent vous donner ou bien vous injecter. Mais lorsque vous êtes vacciné contre la poliomyélite, écoutez, par exemple, je n'ai pas signé un protocole qui me dit que si quelque chose m'arrivait en retour, que l'État, non seulement l'État, mais le fabricant n'est responsable à rien. Vous êtes d'accord avec moi? Quand je viens chez vous, j'ai un problème et que vous me dites, si je vous vaccine, si vous mourrez après, eh bien, vous ne pouvez pas m'attaquer parce que je n'endosse aucune responsabilité. Quand j'entends ça, vous voulez que j'aille me vacciner? Parce que ceux qui sont en face de nous et qui nous proposent le vaccin doivent être eux-mêmes convaincus de ce qu'ils veulent nous administrer d'abord. Je ne voudrais pas qu'on prenne nous, Africains ou bien les hommes, comme des cobayes et qu'on fasse une statistique au bout d'une période pour dire voilà le nombre de morts par rapport à tel vaccin, donc nous laissons tel vaccin pour un autre vaccin. Qu'on nous rassure. Et pour nous rassurer, il doit y avoir une communication de ceux qui sont nos dirigeants et qui sont obligés aujourd'hui, sous la pression de l'extérieur, de nous imposer la vaccination, parce que c'est ce qui n'est pas dit. Si aujourd'hui, on impose la vaccination à chaque Béninois ou bien au travail, c'est pour montrer au niveau international que, voilà, nous avons une grande couverture de gens sans Constant, vacciner. Constant, et c'est dommage que notre pays a évoqué qu'il faut des assurances, davantage d'assurances. Mais le président de la République s'est fait vacciner, les ministres se sont fait vacciner, les députés, les directeurs techniques et autres ont également pris des mesures, bien avant cette mesure, pour quand même inciter le personnel à se faire vacciner. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est déjà un peu suffisant pour donner des assurances ou vous pensez qu'il y a encore d'autres assurances? C'est là d'ailleurs que ça ne rassure pas du tout. Tu as cité que des gens qui sont capables de prendre un avion bien dans 2 heures de temps pour aller à Val-de-Grâce. Mais pour tout ce que tu as cité, tu n'as pas soutenu un journaliste dedans, hein, Kader. Je t'en prie. Oui, nous avons des organes de presse qui ont conditionné l'accès à leur édifice. La communication est allée un peu plus à l'imposition qu'à la sensibilisation. À convaincre. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de notre environnement culturel. La mort chez nous, le sens que ça a, c'est pas ça qu'il y a chez les Européens. Le papa peut prendre un fusil et tuer son enfant. L'enfant peut tuer sa mère et tout ça. Donc, quand on dit mort chez nous, vous voyez tout ce que nous mettons dans les cadavres avec qui nous n'avons plus rien, le déchet là, ce que nous faisons avec, vous voyez. Donc, le sens que la mort a chez nous, c'est un peu tout ça qu'il faut voir pour voir, vous dire comment il faut chercher à nous convaincre. Je vous raconte ce qui s'est passé quelque part, je ne donne pas la précision, mais l'enfant est allé faire une analyse, tout ça, parce qu'il doit voyager et tout ça. On dit, sans la vaccination, l'enfant ne peut pas aller continuer ses études à l'extérieur et tout ça. La maman dit, mais on n'a pas compris que c'était obligatoire. On pensait qu'il fallait faire le test et voir, et tout ça, 48 heures, l'enfant va voyager. On dit non, c'est le vaccin ou rien. Elle dit d'accord. Elle amène l'enfant à la vaccination. Il tombe sur l'agent. L'agent dit, bon, c'est vous. Elle dit oui, parce que c'est l'enfant. On dit, bon, nous avons Pfizer, nous avons ci, nous avons ça. Vous choisissez quel vaccin? Un enfant mineur, elle n'a pas 18 ans. La maman dit, mais c'est vous qui voulez nous faire le vaccin et vous nous demandez quel vaccin nous choisissons au lieu de nous demander quelles sont les maladies de l'enfant. Vous voyez un peu. Et on dit, non, que madame, c'est vous choisissez, mais c'est celui qui veut prendre le vaccin qui choisit, donc l'enfant choisit. Ça veut dire que si aujourd'hui un mineur le terme juridique là, un mineur peut prendre une décision de dire je prends tel vaccin ou je prends tel vaccin. Il y a déjà un problème juridique qui est en train de se poser à ce niveau, mais ce n'est pas un vaccin spécifique pour eux. Un vaccin spécifique. Si c'est le vaccin spécifique, on va plus demander quand on demande l'avis de l'enfant. Ça veut dire qu'il y a un problème qui se pose. Mais la maman a été obligée de dire, si ce n'est que dans ces conditions qu'il faut vacciner mon enfant, faites-moi ça
avant de faire ça à l'enfant, c'est comme ça que la maman s'est fait vacciner. Parce qu'elle dit, je ne peux pas voir mon enfant mourir parce que vous, agent de santé, vous n'avez rien dit qui rassure, qui me rassure que l'enfant n'aura rien. C'est pour ça que je dis, la manière... Il faut davantage de sensibilisation. Il faut davantage de sensibilisation. De divulgation, d'information. De préparation. La maman a été obligée de se vacciner. Elle ne voulait pas se vacciner. Elle n'est pas partie. Elle est partie pour l'enfant. Elle dit, mais je veux voir. Je vois. Oui, elle s'est vaccinée contre. C'est ça que je dis. Quand c'est comme ça, elle vient à la maison. Comment elle va en parler? Comment elle peut convaincre d'autres à y aller? C'est pas contrainte, c'est pas que je ne veux pas voir mon enfant mourir seul que je me suis vacciné. Dans la psychologie du Béninois, je crois que c'est pesant. C'est pesant. Alors donc, Abibarande, ici, in fine, il faut qu'il y ait davantage de communication, davantage de science d'information, une sensibilisation pour que les gens puissent s'y rendre délibérément. Je pense qu'il ne faut pas imposer. On ne doit pas imposer la vaccination aux Béninois. Il faut plutôt, malheureusement, hein, oui, nous sommes dans un pays où, si c'était dans d'autres pays, je pense que la réaction, les gens allaient réagir promptement pour que cette décision n'aille pas loin. Mais malheureusement, notre peuple est dans une certaine désinvolture où on peut lui imposer tout. Alors, c'est comme ce qu'ils ont fait la fois dernière en imposant le glyphosate aux Béninois, alors que dans d'autres pays, c'est interdit. Les députés présents et représentés au palais de la gouverneure, on ne peut pas ne pas quand même dire un petit commentaire dessus avant de clore ce débat matinal. Les députés présents et représentés au palais des gouverneurs, depuis hier, ont voté au petit matin de ce jeudi deux lois fondamentales pour la protection et l'émancipation de la femme. Il s'agit de la loi portant mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe et de la protection de la femme en République du Bénin et de la loi portant modification de la loi numéro 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction. Oui, j'ai lu hein, et j'ai vu différentes réactions, surtout la loi qui autorise... Qui légalise l'avortement. L'avortement. Vous savez, nous sommes en train de transposer deux réalités, malheureusement, qui n'ont aucun lien. La réalité de chez les autres, et quand je dis chez les autres, c'est la civilisation européenne, et nous, notre réalité. Avorter dans notre pays, quel que soit le contexte ou les conditions... C'est une malédiction. C'est un crime. Et enfin, on dit « Andi Toros ou Kavlangbe ». C'est-à-dire, c'est une malédiction et ça te rattrape dans la vie. Aujourd'hui, quand des filles se retrouvent en situation de grossesse non désirée, qu'est-ce qu'elles font? Elles se cachent même pour le faire. Et malgré qu'elles se cachent, ça finit par se révéler. Ça finit par se révéler par la nature. Il y en a beaucoup qui meurent. Écoutez, ça finit par se révéler. Ce qu'il faut plutôt faire, c'est de travailler pour qu'il n'y ait plus des grossesses et non désirées ou bien des grossesses. Oui, mais nous avons des structures comme la BPF, tout ça là. On ne fait rien de tout ça. On légalise maintenant la vie de débauche. C'est une légalisation parce que quand la fille sait qu'elle a le droit d'avorter comme elle veut, bon, elle tombe enceinte d'un homme, elle dit non, moi je ne veux pas faire enfant avec tel homme, j'ai le droit d'avorter. Elle va à l'hôpital d'elle-même, se fait avorter. Et la suite, et les conséquences, nous oublions que nous sommes au Bénin. Nous oublions que nous sommes au Bénin. Et toutes ces femmes, même si elle peut être intellectuelle n'importe comment, elle vient de quelque part. Elle vient d'une source. Quelque part. Et à force de faire ça, nous aurons beaucoup de problèmes d'ordre, comment vous appelez, d'ordre métaphysique ou bien spirituel. C'est vrai que le temps qui nous est parti ne nous permet pas véritablement de débattre autour, quand même, Constant Yaouedéou. On retient qu'après le débat, la loi a été finalement adoptée, mais avec un consensus sur les dispositions de l'article 17-2 qui dispose, je cite, à la demande de la femme enceinte, l'interruption volontaire de grossesse peut être autorisée lorsque la grossesse est susceptible d'aggraver ou d'occasionner une situation de détresse matérielle, éducationnelle, professionnelle ou morale incompatible avec l'intérêt de la femme et ou de l'enfant à naître. Oui, ça va être une question. Est-ce que vous ne voyez pas que ça porte un peu un fondement? Oui, forcément, parce que je suis très Parfois, il y a des viols et il y a une grossesse. Est-ce qu'elle doit garder cette grossesse issue de ce viol? L'enfant a demandé à naître. Je suis pas cette question parce que, en tant que chef traditionnel, un avortement est, comment je vais dire... Proscrit? Ça n'existe pas parce que l'enfant qui doit naître, personne ne sait
qui va faire le Bénin de demain. Donc, au plan traditionnel, ce n'est pas possible. Donc, dans notre contexte sociologique, culturel, l'avortement est proscrit. Mais l'avortement était quand même autorisé. Parce que vous ne pouvez pas faire un GU, vous ne pouvez pas faire vous ne pouvez pas traîner une grossesse avec 19 de tension. Oui. Et ou bien ça utérin des cas du genre. Et dire que vous n'allez pas, qu'on ne va pas avorter. Donc, mais c'est, il y avait des abus. Et il fallait créer le cadre qu'il faut pour le faire. Donc, quand c'est une obligation de santé, sanitaire, ça ne pose pas problème. Ça reste. Maintenant, ce qui est ajouté à ça et qui crée problème, c'est la situation sociale et autres qui sont rentrés dedans. Est-ce que l'enfant qui va naître sera bien entretenu et tout ça? Là aussi, je travaille sur une radio où nous avons été obligés de créer une émission pour pouvoir gérer ce genre de situation, pour pouvoir créer, apporter même assistance, demander des cotisations pour apporter assistance à certaines femmes, parce que presque tous les jours, vous avez une dame qui a un bébé en main ou une grossesse avec, avec un seul pain autour d'elle et de ce qui est bombé devant. Et elle n'a que ça dans sa vie. Et vous vous dites, et si au début, parce qu'on se dit dans quelle insalubrité elle va faire naître cet enfant, quand même déjà au centre universitaire hospitalier, on met des enfants au monde et tout le monde court pour la salubrité, celle-là va enfanter dans un ghetto. Et ça va être quoi pour l'enfant et pour elle-même? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux faire partir l'enfant et la garder elle pour qu'elle en fasse d'autres dans des conditions sanitaires plus appropriées? Ou bien est-ce qu'il faut tenir à l'enfant pour que les deux s'en aillent? Vous voyez, donc ça dépend des conditions. Et je crois que la question va être une question d'interprétation. Et on n'a pas eu tous les détails, mais à un niveau donné, lorsque nous allons prendre connaissance du contenu intégral de cette loi, mais le débat est réel. Le débat est réel. Merci à vous, Constant. Même si les réalités d'ici ne sont pas d'ailleurs. Je rappelle que vous êtes directeur de Radio Planète. Vous étiez face au président d'honneur du mouvement socialiste révolutionnaire et membre de l'Union sociale libérale, Abib Arendessi. Merci d'être là ce matin. Merci à toutes et à tous pour l'attention.